الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معاشر المؤمنين فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وها هو فصل الشتاء تنزل برده طال ليله وقصر نهاره وللمؤمن مع الشتاء احوال واحكام اخواني في الله اذ هو يتفاعل مع التغيرات الكونيه بهدي كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيتحقق ايمانه ويوثق سرته بالله عز وجل فان تقلب الاحوال الكونيه من صيف وشتاء وليل ونهار وجفاف وامطار وسكون ورياح يعزز ايمان المؤمن يعزز ايمان المؤمن بان الله تعالى خالق الكون خالق الكون ومدبره يقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار من تيمجم Je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous avez pu le ressentir ces quelques jours, l'hiver est bel et bien rentré et le froid est bel et bien éprouvé. Voici donc l'hiver, mes chers frères et sœurs. Voici donc l'hiver dont les nuits sont longues et glaciales. Le musulman, le musulman et la musulmane doivent tenir un comportement face à ces alternances de température, face à ces alternances de température, en s'appuyant sur le Coran et la sunna de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, en contemplant les saisons, la personne consolide sa foi en Allah, car toute alternance entre les saisons, le jour et la nuit, le jour et la nuit, l'aridité et l'humidité, climat venteux ou calme, tout cela ne fait que réconforter notre foi, que derrière cela, il y a un Créateur tout-puissant et sage, que derrière cela, il y a un créateur tout puissant et sage qui gère toute chose pour que l'on médite, pour que l'on médite sur sa création. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran en ses sens, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués d'intelligence, ceux qui debout, assis, couchés sur leurs côté, mentionnent Allah Mentionne Allah et médite sur la création des cieux et de la terre Et ils disent, notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain Tu n'as pas créé tout cela en vain Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu Allah mu'min hululahu عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الشتاء ربيع المؤمن الشتاء ربيع المؤمن وزاد البيهقي وغيره طال ليله فقامه طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه والحديث حسن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ألا أدلكم على الغنيمة الباردة ألا أدلكم على الغنيمة الباردة قالوا بلى فيقول الصيام في الشتاء الصيام في الشتاء ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير تعب ولا مشقة فصاحبها يحوزها بغير كلفة شاف خير زي سار Sachez que l'hiver est un instant très aimé par les personnes pieuses, très aimé par les personnes pieuses qui ne cessent de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmed rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'hiver, c'est le printemps du croyant. L'hiver, c'est le printemps du croyant. » Al-Bayhaqi rapporte la cause de cela car ces nuits sont longues et sont donc, cause de, euh, et sont donc plus propices à être veillé en prière et en dévotion, et car ces jours sont courts, ces jours sont courts, et sont plus à même à être jeûnés avec toute facilité, avec toute facilité. De même, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, disait, l'hiver est le butin des adorateurs, l'hiver est le butin des adorateurs, des pieux et des dévots. Et Ibn Masoud disait, euh, disait qu'Allah l'agrée, disait quant à lui que l'hiver soit le bienvenu, que l'hiver soit le bienvenu, car la bénédiction d'Allah y descend, et les nuits y sont longues pour les passer à prier plus, et ces jours y sont courts pour multiplier les jours de jeûne. Et aussi, Abu Hurayrah, an, qu'Allah l'agrée, disait, ne vous informerai-je pas d'un butin facilement acquis, d'un butin facilement acquis Mais oui, répondirent-ils, il dit, le jeûne en hiver, le fait de jeûner en hiver, ce butin, mes chers frères et sœurs, a en effet été acquis avec facilité et aisance et sans difficulté. Celui qui profite de cet instant jouira d'une belle récompense, Ma'ashara al wa innama kana al mu'min, kana al mu'min, لأن الشتاء بستان الطاعة، بستان الطاعة وميدان العبادة والأعمال الميسرة، فإذا ما نزل الغيث والأمطار أقر العبد بفضل الله ونعمته عليه ودعا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته وقال أيضا اللهم طيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا وليتحرى المسلم الدعاء حين نزول المطر فهو من الاوقات الفاضله فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان ما تردان ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء اي عند الاذان بعد الاذان الدعاء عند النداء وتحت المطر وتحت المطر يعني تحت الشتاء نعم فانه وقت وقت نزول البركه ووقت نزول الرحمه لا سيما القطرات الاوليات عباد الله ومما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الادعيه والاذكار ما يكثر احتياجه في الشتاء خاصه كالدعاء عند هبوب الرياح الدعاء عند هبوب الرياح يقول صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب فاذا رايتموها فلا تسبوها فلا تسبوها واسالوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها واستعيذوا بالله من شرها كما سن عليه الصلاه والسلام الدعاء عند الدعاء عند سماع الرعد فيقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته والملائكه « Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, l'hiver a été considéré par les meilleurs de cette communauté comme un jardin printanier, comme un jardin printanier, car le musulman y cueille les bonnes œuvres et les actes qui lui serviront dans le delà. Mais c'est aussi la période où il purifie son cœur, car, car les, éda, les adorations lui sont plus simples, d'où les mérites de cette saison. D'où les mérites de cette saison. Le musulman, dès qu'il voit la pluie tomber, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaît immédiatement ses bienfaits sur lui, et reconnaît immédiatement ses bienfaits sur lui. Puis il dit avec humilité Cette pluie provient d'Allah par, par sa grâce et sa clémence. Cette pluie provient d'Allah par sa grâce et sa clémence, et aussi il peut dire Ô oh Allah, fasse que cette pluie soit bénéfique, fasse que cette pluie soit bénéfique sur nous et que chacun d'entre nous que chacun d'entre nous n'hésite jamais à invoquer Allah pendant la pluie, car c'est un instant propice à l'exaucement des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, deux invocations ne sont pas rejetées, deux invocations ne sont pas rejetées, celles faite après l'adhan celle qui est faite après l'adhan et celle faite sous la pluie, et l'invocation faite sous la pluie. En effet, mes chers frères et sœurs, le moment de la descente de la pluie est une miséricorde et une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend notamment les, et notamment les premières gouttes. Notamment les premières gouttes de la pluie où la bénédiction est encore plus grande. Chers frères et sœurs, ce que nous a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme autre invocation relative au climat, celle lorsque le vent souffle, celle lorsque le vent souffle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Le vent est une grâce d'Allah. Le vent est une grâce d'Allah. Il peut apporter la miséricorde comme il peut apporter un châtiment, comme il peut apporter un châtiment. Lorsque vous l'entendez, ne l'insultez jamais. Lorsque vous l'entendez, ne l'insultez jamais, et demandez plutôt à Allah qu'il vous accorde ce qu'il y a de bien en lui, ce qu'il y a de bien dans ce vent et qu'il vous accorde et qu'il vous protège et qui vous préserve de ce qu'il a de mal. De même, le prophète alayhi wa sallam, nous a appris ce qu'il faut dire après avoir entendu le tonnerre et l'éclair. Il disait qu'il fallait dire gloire à celui dont le tonnerre le glorifie par sa louange et les anges sous l'effet de sa crainte et les anges qui le glorifient sous l'effet de sa crainte. Voici donc une conduite, mes chers frères et sœurs, voici donc une conduite de vie enseignée بار notre valeur prophète صلى الله عليه وسلم، plein d'humilité et أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، عباد الله، وفي فصل الشتاء تشتد الحاجة إلى بعض الرخص، إلى بعض الرخص التي شرعها الإسلام بسماحته ويسره، ففي الشتاء إخواني في الله ويا أخواتي في الله يرخص للمسلم أن يمسح على الجوارب، أن يمسح على الجوارب درءاً للمشقة يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بشروط مبينه في كتب الفقه منها من هذه الشروط انه لا بد من غسل الرجلين قبل لبس الجوربين اي بعد تمام طهاره الوضوء بعد تمام طهاره الوضوء تبدا المده من اول مسح بعد اللبس على صحيح من اقوال اهل العلم ثم يمسح بيده على مقدمه الجورب يمسح على على مقدمه الجورب فقط من دون ان يمسح على اسفله كما هي السنه وينبغي علينا اخواني في الله ويا اخواتي في الله اذا هيئنا لابنائنا واهلينا الجوارب والبسناهم اياها ان نرشدهم مع ذلك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي التعامل معها فيما ينبغي التعامل معها من احكام واداب وايضا مما ينبغي التنبيه عليه Chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, il est bon aussi de rappeler que pendant cette saison, cette religion clémente nous a appris et nous a permis quelques dérogations à la règle et des facilités bonnes à prendre. Et des facilités bonnes à prendre parmi celles-ci, même si elle est permise, toute l'année, elle est encore plus pendant cette période, celle de se contenter d'essuyer ses chaussettes ou ses chaussures à la fin de nos ablutions. À la fin de nos ablutions, ainsi la personne pourra compter de la première fois qu'il s'est essuyé les chaussettes ou les chaussures, euh, la première fois qu'il s'est essuyé les chaussettes ou les chaussures, répéter cela 24 heures pour le non-voyageur et euh, et pour le voyageur trois jours. Et pour le voyageur Trois jours. Ceci, selon les conditions développées dans les livres de jurisprudence, dont la plus importante, avec la durée que l'on a vue précédemment, un jour pour celui qui n'est pas voyageur et trois jours pour le voyageur, c'est euh, parmi ces conditions est le fait d'avoir bien lavé ses pieds avec de l'eau puis avoir mis ses chaussettes en état euh, d'ablution. Tu laves, tu fais ton dos complet et ensuite tu mets tes chaussettes. À partir de là, si tu perds tes ablutions, tu pourras essuyer dessus sans les relaver une deuxième fois, inshallah. Et il est clair que cette facilité est très utile en cette période hivernale. Et il te suffit, lorsque tu essuies sur tes chaussettes ou tes chaussures, d'essuyer que le haut. Tu essuies que le haut sans essuyer ni les talons ni le bas euh, des chaussures ou des chaussettes. Aussi, mes chers frères et sœurs, il est bon d'enseigner cela à nos enfants. Il est bon d'enseigner cela à nos enfants et à notre famille. Pour qu'ils comprennent les règles et les bienséances de cette belle religion enseignée par notre valeureux prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il est bon de rappeler de ne pas garder longtemps nos chaussettes à un point de devenir une gêne, une gêne pour les fidèles à la mosquée, par l'odeur désagréable qu'elles peuvent dégager. Marshall al ou al كذلك الجمع بين الصلوات في المسجد، الجمع بين الصلوات في المسجد خاصة وقت اشتداد المطر وحدوث البلل والوحل أو البرد أو البرد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأصحابه أيضا، وهنا بشرى بشرى لمن أصابته الحمى بتكفير الخطايا والذنوب وكثيرا ما يصاب به الناس في هذه الأيام. في هذه الايام وهذا توجيه نبوي من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لام السائب حينما قال لها ما لك يا ام السائب قالت الحمى لا بارك الله فيها قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد، وان من اعظم فضائل الشتاء التي لا يلتفت اليها اكثر الناس ان زمهرير ان زمهرير الشتاء وبرده القارس يُذكر بزمهرير جهنم، يُذكر بزمهرير جهنم ويوجب الاستعاذه منها والعمل الصالح من اجل النجاه والسلامه من زمهرير النار، من زمهرير.. النار جهنم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لجهنم نفسين إن لجهنم نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها وأشد ما تجدون من الحر من سمومها فيا إخوتاه يا أخواتي في الله ويا إخواني في الله جدوا في الطلب جدوا في الطلب مرضات الرحمن في ليالي الشتاء الطوال وفي غيرها ولا تنسوا ولا تنسوا فضل الله عليكم في الملبس والمسكن وأن حولكم من يحتاج إلى المساعدة شير فرير زيسور il est bon de rappeler que pendant cette période il est permis de rassembler deux prières ensemble يعني yani le dohor et le asar et le marab avec le isha lorsqu'il pleut ou vente fortement ou lorsqu'il neige ou lorsqu'il neige mais ceci n'est permis qu'à la mosquée. Ceci n'est permis qu'à la mosquée. De même, la personne pendant l'hiver doit espérer la récompense divine et l'expiation des péchés lorsqu'il est touché par la fièvre. Lorsqu'il est touché par la fièvre qui est monnaie courante ces jours-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Umm Sa'ib, que t'arrive-t-il? Il lui demanda à cette femme, que t'arrive-t-il? Elle répondit, j'ai de la fièvre, qu'Allah ne la bénisse pas, qu'Allah ne la bénisse pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui rétorqua, n'insulte pas la fièvre, n'insulte pas la fièvre, car elle fait disparaître les péchés, comme la forge fait disparaître les impuretés du fer, comme la forge fait disparaître les impuretés du fer. Et enfin, mes chers frères et sœurs, il y a aussi une leçon dans cette saison que peu de gens considèrent, que peu de gens considèrent le fait que le froid extrême de l'hiver doit nous faire penser au froid glacial et terrible de l'enfer, au froid glacial et terrible de l'enfer, et ceci afin d'œuvrer dans le bien et demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la et contre l'enfer qui est aussi glacial et qui est brûlant mais aussi glacial. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, l'enfer est composé de deux souffles. L'enfer est composé de deux souffles. L'une en hiver et l'autre en été. Le premier souffle est ce que vous ressentez comme froid rigoureux en hiver. Et le deuxième est ce que vous ressentez comme canicule en été. Mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas aussi les faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a données en vous accordant des vêtements chauds et un toit avec multiples radiateurs. Mais n'oubliez pas N'oubliez jamais qu'autour de vous, autour de vous il y a des gens qui ont besoin de votre charité et de votre chaleur. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous ses serviteurs reconnaissants. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana. التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وبلغنا مما يرضيك امالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم وحد كلمه المسلمين في كل مكان اللهم وحد كلمه المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم نصرا مؤزرا اللهم اجعل عواقب امورنا الى الخير اللهم اجعل عواقب امورنا الى الخير وتوفنا وانت راض عنا اللهم توفنا وانت راض عنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا